En 2016, la métropole lilloise va accueillir de nombreuses stars de la chanson. Le défilé des célébrités commencera avec le groupe Eagles of Death Metal. Au cœur de l'actualité dernièrement, le groupe de rock joué au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Un concert très attendu. Le 4 mars prochain, William Scheller fera vibrer le Sébastopol après 7 ans d'absence. Cet auteur-compositeur incontournable de la chanson française revient avec un nouvel album appelé Stylus, un mélange de piano et quatuor à cordes. Et du côté du Zénith de Lille, on prépare également de beaux spectacles. Michel Polnareff, disparu de la scène depuis 2007, fait son retour le 19 mai avec de nouveaux titres. De quoi satisfaire les fans du célèbre chanteur à lunettes. Et un mois plus tard, c'est Neil Young, la grande star du folk, qui sera au Zénith. Le chanteur et guitariste canadien sera accompagné d'un jeune groupe californien, Promise of the Real. Il interprétera des chansons militantes contre une firme américaine, Monsanto, fabricant d'OGM. Et dans un autre registre, le stade Pierre-Mauroy va vibrer avec la venue de Rihanna. C'est l'un des concerts les plus attendus de l'année. C'est la deuxième fois que la star se produit à Villeneuve-d'Ascq. En 2013, elle avait rassemblé 27 000 fans. Alors ne tardez plus à réserver vos places. Zaz, Johnny Hallyday, Alain Souchon ou encore Laurent Voulzy, beaucoup d'autres stars de la musique feront chanter le public lillois. L'année 2016 nous réserve de belles surprises.